Ce jeudi 4 novembre 2021 à 23h, juste après Envoi spécial présente par Élise Lucet, France de diffuseur émission, animée par Tristan Wollect, sera consacrée à Éric Zemmour. Le polémiste est au CRDL Actualité depuis plusieurs mois. Potentiellement candidat à l'élection présidentielle de 2022, il est crédité à 17h. Cette édition aura pour titre Zemmour, Veni, Vidi, Vichy. Cette enquête de 52 minutes va être réalisée par Lilia Melkorleone, Sébastien Lafargue et Mathieu Renier. Selon le journaliste Robin Andraka, Éric Zemmour a passé 11h35 sur les plateaux télé et radio jusqu'à la mi-octobre 2021. C'est 5 fois plus qu'Anne Hidalgo et 10 fois plus que Marine Le Pen. Ce reportage reviendra sur les multiples provocations de l'ancien chroniqueur de CNews. Il a été condamné par la justice pour provocation à la discrimination raciale. Il est également accusé par plusieurs femmes des agressions sexuelles. Le documentaire évoquera également ses déclarations sur les pronoms franqués et sur ses propos concernant Putain et le régime de Vichy. Pour complément d'enquête, ceci l'est réduit à analyse 15 ans de production littéraire d'Éric Zemmour. Ainsi, le troisième mot le plus utilisé par le polémiste est le mot « guerre ». Dans ses 7 livres les plus vendus, le mot « race » a été employé sans en revanche. Le 21 octobre, l'émission avait remis 728 000 curieux, soit 7,5 au public, pour l'enquête intitulée « La fin des rois du pétrole ». À la précédente édition de complément des enquêtes, une forte baisse des audiences pour le magazine. Éric Zemmour est connu pour être un vecteur des audiences. En misant sur le polémiste, France 2 pourrait faire grimper son audimat. En revanche, sur les réseaux sociaux, certains reprochent à l'émission d'être à charge contre l'écrivain. Une polémique qui pourrait bien provoquer la fuite de certains téléspectateurs. Complément d'enquête sur la méthode Zemmour. Zemmour, Veni, Vidi, Vichy, jeudi à 23h, sur France de TV, pic.twitter.com/9chkovkrki. Complément d'enquête, November 3, 2021. Complément de enquête à retrouver ce jeudi 4 novembre 2021 à 23h sur France 2, soit un peu plus de 2 heures après avoir été questionné par Christine Kelly dans une